Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière fin de semaine de compétition du iRacing Challenge, la saison 2. On est cette semaine à Okayama. Comme vous voyez, circuit assez bizarre, si on veut. Circuit a juste eu la Formule 1 deux fois, en fait, en 94 et 95. Par contre, un peu éloigné, c'est pour ça que la Formule 1 n'y va plus d'ailleurs depuis ces deux années-là. Pour ce qui est des vainqueurs, la dernière saison, en fait, ça a été Donald Theriault, notre champion cette année. Donc, comme vous voyez, c'est officialisé à la dernière course à Monza. Et donc, pour l'instant, ben, on course pour la deuxième position, en fait, parce que vous voyez, Belair, Boulian, Gauthier et Léger, là, c'est très serré entre ces deux-là. Le mieux, Bouchard et Godin également. Godin pourrait dépasser les deux s'il avait deux belles performances cette fin de semaine. Ou en arrière, vous voyez, Auger, Laferrière, Lavallée, Demers, Simard sur Cotte-Landry aussi. Donc on a des très belles luttes pour les 15 premières places là, pour ce qui est de cette dernière fin de semaine de cette saison. Pour revenir à Okayama, donc circuit assez technique, une place vraiment pour dépasser, c'est au bout de la longue ligne droite arrière que vous voyez. Vous voyez là, au premier virage, c'est toujours possible, mais c'est toujours un petit peu plus touché. Et également, donc après l'épingle, justement, au bout de la longue ligne droite, il y a également l'autre épingle dans la partie plus intérieure du circuit qui pourrait être une occasion pour dépasser, mais faut pas non plus se fier trop là-dessus. On va dire ça comme ça parce que, bref, il n'y a pas tant de chances que ça pour dépasser ici. Maintenant, pour ce qui est de la grille de départ de cette première course, donc Pascal Gauthier qui a fait la pole position, toujours très rapide quand il s'agit de faire du hot lapping, lui, avec Jean-François Godin à côté en première ligne, Boulian, Theriault, Léger et Belair, toujours un à côté de l'autre, vous voyez, c'est très serré, 540 et 570 millièmes d'écart avec le premier, Gagnon et Landry qui partent en quatrième ligne. En cinquième ligne, on a la Ferrière et la première Corvette, Jonathan Auger, Stéphane Lavallée et Olivier Turcotte, vous voyez, en sixième ligne, Patrick Charrette, donc, qui était là la dernière course, c'est un revenant pour lui. Donc, 13e, 14e pour Martin Blackburn. Premier américain, vous voyez, John Stetzel en 21e place. Jean-Philippe Simard, lui, 19e. Donc, depuis sa victoire, ça s'est pas trop replacé pour lui, malheureusement. Ça semble vraiment être une saison en dents de scie. Je pense que ça va lui faire du bien que la saison finisse dans son cas. Premier canadien, Peter Piliak en 25e. Aussi, donc, vous voyez, Slide Bernier, 30e. Ça semble... être un début de week-end assez difficile pour lui. Vous voyez après ça, donc Kevin Domanski 31e, Eric Tremblay 32e. Donc on se retrouve quand même assez loin présentement. Là. Donc vous voyez Auger, Durand, ben PDL, Olivier Lacroix, Mike Gilcher, Frigo, Champagne, Mike Swenson, Éric Larivière qui n'ont pas fait de temps les deux derniers en fait. Même Chris Champagne, vous voyez, a fait un temps pour la forme. 11 secondes d'écart avec le premier. Là, c'est une bonne différence avec Claude Leclerc, bien évidemment. C'est comme à l'habitude, ne fait pas de temps, donc ne se complique pas la vie plus que ça. Devra sauver par contre au départ parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver ici avec la gang du iRacing Challenge. Voici le départ, donc merci à tous d'être présents pour ce dernier week-end ici à Okayama. Et donc on entend les moteurs. Et voilà, c'est parti pour ce départ ici à Okayama. Vous voyez, Turcotte fait déjà très large en arrière. Et en avant, donc Gauthier qui part, qui décolle et Boulian qui reste deuxième maintenant. Regardons un peu plus en arrière. Et voyons les trois de large déjà pour plusieurs. Et oh, le départ va bien pour l'instant. Tout le monde semble passer. Oh, par contre, ça a mal été un petit peu. On l'a vu, je crois que c'était... c'est une voiture noire. J'ai pas pu voir c'était qui. Je pense que c'était... oh! Et voilà, au contact ici, je crois. Oui, contact à Turcotte et Lavallée et les autres. Même, on implique également... donc c'était Boulanger. Qui a été impliqué au gros contact ici, juste avant la remontée. Et puis ça a affecté plusieurs véhicules, malheureusement. Donc Turcotte qui aurait été un peu trop agressif au départ. Et même, vous voyez, ça continue encore. Un peu trop agressif jusqu'à la descente, à longue ligne droite. Voilà quand même réussi à être à côté de Bouchard. Et pour les premiers, eh bien voilà, c'est correct. Donc en fait, je mentionnais, c'était Gauthier présentement qui avait eu quelques difficultés. On avait vu là, avant l'incident qu'on a pu constater. Donc pour le reste, ça semble bien aller. On n'a pas... on a eu un premier tour assez catastrophique, mais au moins pour le reste, ça semble être pas si pire. Donc voilà, on complète le premier tour. Et c'est Boulian donc qui... finalement, va mener le premier tour. Voilà, suivi de Theriault, Godin, Léger, Belair, Gagnon, Laferrière. On a vu Landry et Charrette qui sont à la lutte et Gauthier juste derrière. Donc voilà, Landry qui garde la position face à Charrette. Par contre, Charrette à l'intérieur. Et oui, ça va faire le dépassement. Par contre, on a quand même l'intérieur ici pour la
Virage à gauche, voilà Landry qui reprend et contact entre Charrette et Gaultier. Oh, et maintenant on est voilà carambolage au deuxième virage. Oh, c'est dommage. Donc plusieurs pilotes impliqués, on n'a pas pu voir qui par contre. Plus qu'il faut, mais bon, on est pris avec les images qu'on nous donne. Voilà, donc les trois premiers qui sont en lutte, bien évidemment. En arrière, on voit Belair et Léger. Dans la ligne droite, dans la descente ici, qui sont également en lutte. Alors que derrière, vous voyez la 12e position, là, donc Simard, Blackburn et Piliac. Piliac qui a même tenté de faire l'intérieur, pense avoir un peu de vitesse. Par contre, Blackburn, semble un peu plus rapide que Simard, en fait. On l'a vu freiner un petit peu plus loin au bout de la ligne droite. Et pour l'instant, on revient ici en tête avec notre trio. En fait, notre trio très rapide. Oh, ça fume un petit peu pour Godin ici. Un petit peu trop, même. Donc, son gagnon. Et... En fait, c'était Bel Air même. Non, c'était bel et bien Godin. Donc, voilà, Gagnon et Laferrière aussi qui sont. On s'est battu au Bel Air qui a failli faire l'intérieur allégé ici. On a pu voir un petit peu en bas de l'écran. Et ça clignote un petit peu. Donc, troisième tour de cette course ici à Okayama. Et donc, Blackburn qui est. Donc, toujours derrière Simard. Ralenti un petit peu, par contre, vous voyez derrière, on a Piliac, Bouchard et. Si j'ai bien vu, c'est Patrick Charrette qui est resté sur la piste finalement. Ah non, pardon, c'est John Stetzel, pardon. Donc, John Stetzel qui. N'a pas été impliqué dans aucun accident. Et voilà, on est avec Donald Theriault ici. Donc, Theriault doit prendre sûrement la patience, rester derrière Boulian. Et Boulian, ça va large un petit peu par contre. Ouh, c'est bien récupéré. Donc, on peut voir quand même les autres pilotes, ce qu'ils font à bord de la voiture des autres. C'est quand même pas si pire. Et voilà, on complète un troisième tour. Cette course, pendant ce temps-là, en arrière, on voit Gervais Rozon qui tente sur Lambert et non, ne réussira pas. Par contre, ça va très large pour Auger ici. Et plusieurs pilotes passent, voilà. Et ça a été large également pour, je pense, c'est Lambert aussi, ça a été large. Oh. Ça fait en sorte que PDL Tremblay et bien évidemment Gervais Rozon passe. Et oh, Boulian qui a perdu le contrôle, ça donne la tête à Donald Theriault, ça! Et même, je pense, Jonathan Auger qui va tenter de passer. Oh, voilà, c'est contact entre Auger et Boulian. Boulian qui a voulu trop conserver sa position et Auger, bien, voilà. C'est ce que ça donne. Pendant que si on a Martin Landry et Rock Lemieux. Donc, Landry, ça va bien pour l'instant, cette fin de semaine. Lui, ça semble être souvent. Excusez-moi du terme, tout ou pas en tout. Donc, soit on a une belle performance, soit qu'on a très peu haut pendant que. J'ai vu Simard, là, ça a été un peu pénible à la relance. Heureusement, réussi à garder le contrôle. Mais là, doit se protéger parce que Boulian, juste derrière, ça peut. Oh, temps de faire l'intérieur ici, au contact entre Boulian et Simard. Ah, oh, et même Piliac qui. Voilà, le fait revoler un peu. Donc, beaucoup de. D'accrochage du genre depuis le début de la course. On a vu Turcotte avec. Avec la vallée, on a vu ça aussi. Il y en a eu d'autres avant. C'est. Vraiment particulier. On dirait que les places sont trop agressifs pendant ce dernier week-end-là. Il y a beaucoup de positions au classement à gagner et à perdre, évidemment. Là, c'est pas étonnant non plus, mais quand même. C'est dommage parce que ça nuit un peu à la beauté de la course, selon moi. Mais bon, pendant ce temps-là, on voit donc Gaultier. Enfin, Gaultier est passé devant Leclerc, donc reprend la 28e position. Donc Gaultier, pour lui, faut qu'il remonte. Dû laisser passer tout le monde tout à l'heure. Et Simard, oh, c'est lent pour lui. Vous voyez tout le monde qui le dépasse présentement. On voit donc Nadeau, même
Pinet. Oui, on est très espacement 3 de large ici. Waouh, on est 3 de large. Et Simard qui va se tasser sur le côté. Et même Pinet qui a encore une fois le dépassement. Waouh. C'est pas la première fois qu'il fait ça, lui. Rappelez-vous, à Spa-Francorchamps. Mais waouh. Donc 3 de large, réussit à faire deux positions d'un coup. C'est pas aussi spectaculaire, mais quand même, chapeau à Normand Pinet ici. Donc il nous habitue à des belles performances, genre des beaux gestes, mais qui peuvent se gâcher quelques tours plus tard, malheureusement. Et voilà, il est quand même plus rapide, on voit, là, que les deux autres, pendant que, voilà, c'est fait pour Simard. Et au puits, semble abandonner. Et pendant ce temps-là, bien, Gagnon qui prend un peu d'avance. Toutefois, Thériault qui colle toujours Godin au derrière. Donc, nos deux aliens qui sont en avant, par contre. Belair, vous voyez, ça suit. Donc, on suit léger, par contre. On le voit plus depuis un petit moment. On n'a pas eu la reprise. On ne sait pas trop ce qui s'est passé ici. Et on revient ici à cette lutte pour la 15e position. Donc, Pinet, Nadeau, Chartraine et on voit Demers juste derrière aussi. Lavallée n'est pas dans la lutte, bien évidemment, un tour de retard dans son cas. Et Chantraine qui a bloqué les roues, on a pu voir, ça aurait pu être très dommageable. Heureusement que les courses ne durent que 15 tours parce que les pneus, l'usure en fait, devient quelque chose d'assez important. Voilà Swanson qui vient de se faire dépasser par Gauthier. Donc Swanson va tenter de garder le rythme, bien évidemment, mais Gauthier a l'avantage. Et pendant qu'on complète un autre tour ici, vous voyez, 7e tour, maintenant nous sommes rendus là. Alors que Godin mène toujours le bal. Thériault mène les courses pour la forme, bien évidemment, là, est officiellement le champion. Alors que vous voyez, John Stelzel qui est juste derrière Normand Pinet, va se faire à l'intérieur ici au premier virage. Et ça semble bon, par contre, encore une fois, là, les pilotes qui referment beaucoup trop la porte dans les virages. Voilà, on a un petit contact entre Stelzel et Pinet. On voit même le bout de carrosserie qui est remonté par en haut sur le capot. À noter que ce n'est pas commandité par Car Expert, donc c'est pas eux qui vont faire la réparation. Et on revient ici à cette lutte pour la première position. Godin, lui, a beaucoup à gagner, en fait. S'il peut se classer premier ici, ça pourrait lui faire gagner une position au classement de plus. Surtout avec la performance de Thériault présentement. Je vais dire de le mieux, en fait. C'est pas la meilleure, on va dire. Et si on perd de contrôle de Richard Nadeau, à l'épingle, et on va toucher le mur en même temps. Donc, position gratuite pour Chantraine et Demers. Et oh, Thériault, ça a été. On a relancé un petit peu, là. Belair qui les rattrape, qui est très constant. Lui, avec sa tendance à être constant, pourrait être avantagé d'ici la fin de la course. Ça continue comme ça. Pendant que vous voyez le mieux, je le mentionnais, juste devant Martin Léger. Et on a Jonathan Auger juste derrière, enfin en 9e position. Donc vraiment le mieux. C'est pas si pire dans son cas. C'est pas. Roy Boulian en arrière d'ailleurs. Plus Boulian qui a un peu de difficulté pendant que vous voyez donc Blackburn et Piliac là, qui sont en train de se battre pour la 11e position. Donc Blackburn, ça va quand même relativement bien pour ce début de week-end. Et Léger va se tenter. Non, va plutôt juste faire peur. En fait, oh voilà, oui, ça a été pas besoin de tenter, mais quand même, voilà, c'est passé pour Léger sur le mieux. Et ça a failli passer aussi pour Auger. Auger qui est à l'extérieur, par contre. Donc dans ce virage-ci, donc Léger qui est passé et qui va être passé, je pense qu'il est passé pour de bon, on voit déjà l'écart qui se creuse pas mal. Par contre, Auger ici semble avoir l'aspiration.
Est-ce qu'on peut tenter par l'intérieur ici au premier virage? Non, voilà, on va plutôt se ranger derrière. Par contre, le mieux, là, ça semble vraiment pas bien aller. Semble avoir de la difficulté à contrôler sa voiture. Même le derrière qui tendance à vouloir partir. Et voilà Godin qui est toujours, okay, toujours en tête. Il me semblait qu'il y avait eu changement, mais non. Par contre, Roger ici qui semble être agressif. Et ça pourrait profiter au... Donc, à la personne qui est juste derrière, François Bouliane, qui lui aussi se bat pour une place au classement, hein, ça pourrait... Cette course-ci pourrait régler bien des choses là, pour le classement... Classement final, classement général, finalement. Et voilà Blackburn qui reprend sa place. Piliac avait tenté, on n'a pas vu... On n'a pas vu toute la situation, mais Piliac semble avoir l'avance et je pense qu'il a freiné beaucoup trop loin. Et ça donne que Blackburn peut reprendre sa 11e position. Dans ça là, il y a Stetzel qui est toujours derrière Norman Pinip. Donc je mentionnais tantôt, le Pinip qui ralentit un peu. Et pendant ça là, bien voyez Pascal Gauthier là, qui... Donc, il est toujours derrière, fait qu'il remonte tranquillement plutôt, derrière la rivière présentement. Donc, les deux là, les deux en tête, ils sont arrivés de façon plus récente, qui sont en difficulté présentement. Un plus que l'autre, évidemment, on le suit présentement. Mais, Bouliane et Gauthier là, qui sont en danger présentement. Gauthier, on n'a pas vu le dépassement ici, mais... elle a tenté quelque chose au premier virage. Bon, ça, ben Godin, ça semble vraiment pas être très rapide. Thériault, présentement, qui le colle au derrière. Même Belair, là, qui en profite pour se rapprocher. Et là, on en profite pour embarquer avec Thériault, qui nous embarque gracieusement dans sa voiture. On apprécie l'invitation. Et voilà, on vient de se faire botter dehors, donc on revient ici avec la caméra sur le côté. Et voilà, donc 10 tours complétés, donc Godin, Thériault, Belair, Gagnon. Vous voyez La Ferrière qui est 5e, Landry qui est 6e présentement. Donc Léger, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, Léger qui est 7e. Auger qui est finalement passé 8e, Lemieux et Bouliane. Donc on l'a pas vu tantôt, mais voilà, OG s'est passé. Oh, le mieux qui vient de perdre encore la voiture au premier virage. Et voilà, ça va être bon, je pense, pour Bouliane ici. Le mieux qui laisse de l'espace, c'est déjà très bien. C'est mieux que beaucoup de pilotes pour l'instant. Et voilà, on réussit à garder la position ici en laissant de l'espace. C'est déjà très bien. Par contre, Bouliane, oh, ça passe tout près ici du contact. Et heureusement, on s'en sort très bien. Voilà, on est embarqué avec Bouliane maintenant en 10e position. Va-t-il freiner plus loin? Ça pourrait être la tentative. Non. Va plutôt rester derrière. Voilà. Je pense que Bouliane, sa chance va venir. Il n'a tout simplement qu'à attendre. Et puis, ça va arriver. Là, donc, je suis entraîné de Merce. Toujours à la lutte. Donc là, t'as terminé entre ces deux-là pour la position. Et on revient ici, donc Godin et Thériault qui... Godin doit toujours subir les assauts de Donald Thériault qui attend patiemment derrière. Par contre, oh, on a eu quelques petits pépins ici entre donc Blackburn et Lemieux. Et c'est Piliac qui en profite pour passer 10e, là. Donc, Piliac qui fait son entrée dans le top 10 ici. Donc, je pense que c'est le mieux là, qui va subir le plus. Et voilà, c'est fait pour Donald Thériault qui prend la première position ici.
Donc, Thériault qui reprend la tête de la course avec 4 tours à faire ici à Okayama. Bien évidemment, première course de cette fin de semaine. La deuxième s'en vient très bientôt. Pour l'instant, on a une très belle course ici malgré tout ce qui peut se passer. Et voilà, on a Lambert et Nado ici qui se battent pour une position. Avec Charrette juste derrière. Est-ce que Nado ici va tenter par l'intérieur? Et oui! Nado qui passe au bout de la ligne droite. Très beau dépassement. On a été beaucoup plus là. On a freiné beaucoup plus loin et ça a réussi. Ici, bien, Pinet qui... voilà, je l'avais mentionné. Est plus lent, finalement, en fait. Voilà. Et Boulian qui est maintenant 12e. Bon. Donc, c'est vraiment de mal en pis là, pour ce groupe-ci, finalement. On en voit plusieurs qui perdent des positions, gagnent des positions, etc. On voit toujours les changements comme ça. Que ce soit Lemieux ou Boulian, principalement. Et voilà, Turcotte qui est revenu 30e. Donc, Turcotte dans les points. Par contre, c'est Bernier là, qui a perdu sa position. Donc, il doit rester derrière. Et espérer qu'un des deux en avant, soit Turcotte ou Boulanger, fasse une faute. Et voilà, Piliac et Blackburn. Donc Blackburn retourne dans le top 10 par défaut. Quelqu'un a dû abandonner. En fait, pas du tout. C'est Boulian, pardon, qui a perdu le contrôle. Ça a donné deux positions gratuites à... Une position gratuite à chacun, en fait. Et aussi, large pour le mieux, je pense, ça va donner la position à Boulian, ça. Et Boulian pour les sacs qui fait à l'intérieur ici, oui! Donc, plus que deux tours à faire ici à cette course. Vous voyez Thériault et Godin là. En fait, Thériault qui prend de l'avance sur Godin. Donc, Thériault est vraiment plus rapide présentement que son vis-à-vis. Du moins pour cette course-ci. Faudra voir pour la prochaine si la tendance se continue. Pendant que vous voyez Bouchard, Pinet, Chantraine et Demers. Ça fait Bouchard un petit peu d'avance sur les trois autres. Et Chantraine qui semblait tenter l'intérieur. Et heureusement pour Pinet, n'aura pas tenté. Par contre, c'est Demers qui est pris derrière encore une fois. En fait, Demers, c'est depuis le début de la course. Comme je mentionnais tout à l'heure, qu'il est pris derrière Chantraine. Il ne semble pouvoir absolument rien faire pour pouvoir le dépasser. On a vu Pinet, ça va être un peu plus difficile pour... prendre ça pendant que vous voyez Gauthier qui a dépassé Gervais Rozon. Donc maintenant 18e pour Gauthier. On voit la remontée qui se fait tranquillement pas vite. Mais trop peu trop tard je crois avec deux tours à faire. Il n'y a pas grand chose à faire. Heureusement il reste une autre course pour lui. Il peut se rattraper n'importe quand. Et faire une belle performance. Et voilà Boulanger et Turcotte. On vient de perdre Bernier. Donc avec un tour à faire voilà. C'est ici que ça va décider. Une bataille pour un point. C'est pas mal ça, la situation présentement. Voilà, avec Thériault et Godin, encore une fois. Donc, Thériault qui mène une très belle course présentement. Vous voyez Blackburn qui... Oh, ça va large, je pense que ça va profiter à Boulian. Ça, pour l'instant, ça semble être bon. Oh oui, c'est fait. Voilà, Boulian qui vient de le dépasser de façon très facile. Il y a des analogies douteuses pour le faire, mais on le fera pas ici aujourd'hui. Voilà Boulian qui revient à le top 10. Et voilà, c'est Chantraine qui dépasse Pinet. Ouh, il est très près. Par l'intérieur ici, va-t-il pouvoir prendre l'avantage ici? Parce qu'on a quand même le deuxième virage qui est à droite, à gauche, pardon. Et voilà Pinet qui garde la position. Par contre, on croise et non. On tentait de croiser plutôt et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ici, Chantraine qui a l'intérieur. Ça fume devant. Je ne sais pas s'il y a le pilote qui a perdu le contrôle. J'espère que non. Heureusement, plus de peur que de mal. Et voilà même Demers présentement qui doit... Oh, Demers qui est pris derrière carrément. Et Chantraine va devoir freiner beaucoup plus large. S'il va avoir une chance, il va freiner beaucoup plus loin. Et même, je pense que Demers vient de réussir le dépassement. Et... Non, c'est pas fait. Par contre, voilà la victoire de Donald Thériault qui est confirmée devant Jean-François Godin et... Mike Belair qui fait encore une fois un autre podium. Très belle quatrième position de la part de Bruno Gagnon. Et on voit qu'on complète le top 5 avec La Ferrière. Landry et Léger, vous voyez, 6e et 7e. Léger qui n'a pas pu réussir à réparer sa gaffe faite plus tôt.
OG 8e. Voilà, c'est fait. 9e position pour Boulian. Et on a Petr Peliak qui fait une excellente 10e position dans son cas. On voit qu'on a réussi à faire un top 10. Ça n'arrive pas souvent, alors chapeau pour lui. Donc voilà, c'est fait pour Bouchard. On entend le bowling qui se passe derrière la caméra. Et voilà, on complète. Est-ce qu'on réussit à dépasser pour Gauthier? Et non, malheureusement. Donc Gauthier qui devrait se contenter, je pense, c'est la 17e position dans son cas. Donc d'ailleurs, vous voyez la procession qui se passe. Donc on complète pour Nadeau. Même chose pour Stadzel, Swenson, Garceau. Ici, on a Olivier Lacroix qui voilà, va franchir les derniers virages et la ligne de départ-arrivée. Même chose, on voit en arrière Kevin de Montigny. Et voilà, c'est passé pour Turcotte sur Boulanger. Et vous voyez Bernier derrière qui va franchir la ligne d'arrivée également. Le dernier sur le tour des meneurs. C'est ce qui complète cette première course ici à Okayama. Alors, c'est un freinage un peu fort, on le voit. Et voilà, c'est la voiture est disparue. On va voir les résultats de cette course. Comme vous voyez, c'est Thériault qui l'a emporté devant Godin et Belair. Donc, gagnons la Ferrière, évidemment. Vous voyez, c'est notre top 5. Très serré entre les Landry et Léger. Vous avez pu le constater. Auger, tout seul dans son coin. Boulian, qui a réussi à dépasser Peliak dans le dernier tour. On n'a pas vu l'événement, par contre. D'autres batailles qui requéraient notre attention. Mais voilà, on a une 9e position. Peliak qui finit 10e également, juste devant Blackburn et Lemieux. On a Robert Bouchard qui est 13e, Noah Pinet et Laurent Chantraine. Vous voyez, Pinet a réussi quand même à garder sa position de façon assez claire. Par contre, Demers, un peu décevant parce que lui, il avait réussi à dépasser Chantraine tout à l'heure. Hein, et donc, aurait perdu le contrôle, finit juste devant Pascal Gauthier. Nadeau, comme vous voyez, 21e, Éric Tremblay, 22e, John Stadzel avait très bien commencé la course, malheureusement, fini 24e, on voit ici 5 Chevrolet, une après l'autre, 5 Corvettes en fait, donc Stadzel, Swenson, Garceau, Champagne, Lacroix, Turcotte qui réussit par un certain miracle à dépasser Steve Boulanger pour la 29e position, donc Boulanger qui fait quand même un seul point, qui fait le dernier point disponible pour cette course, Sly Bernier, vous voyez, pas un tour de retard, mais ne marquera pas de points, malheureusement. Fini juste en dehors des points. Pour le reste, on est à un tour de retard. Donc, Lavallée, Charrette, par exemple, Auger et Devancigny. Après, c'est les abandons. Donc, Figo, PDL, Leclerc et Simard qui donc auront abandonné. Et même chose pour Mike Gilcher. En fait, je pense qu'on n'a même pas pris le départ. En fait. Donc, 15 tours de retard. Ça donne ce que ça donne, malheureusement. Alors, on va à la pause et on vous revient pour la 2e course de la soirée. Restez des nôtres parce que ça s'annonce pour être toute une course. À tout de suite!